Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Allez, pour vous les béliers, quelle énergie vous accompagne pour ce mois de juin? Alors, j'en ai deux. J'ai le 2 de pentacle et j'ai le 2 de coupe. Ok. Et j'ai la grande prêtresse inversée. La grande prêtresse inversée, ça peut être le fait qu'on n'arrive pas, qu'on a un manque de contrôle émotionnel, qu'on n'arrive pas peut-être à écouter son intuition, à écouter ses ressentis. On n'arrive peut-être pas, ouais, à faire appel à son intuition. On n'arrive pas à y voir bien clair dans une situation ou dans une autre. Alors, deux de coupe et deux de pentacle. Ouais, j'ai valet de pentacle. Valet de pentacle, ça peut être faire le premier pas dans une nouvelle aventure, le valet de pentacle. Alors, c'est pas forcément amoureux, j'ai deux de coupe, mais le deux de coupe, ça peut être l'union, le partenariat, l'amour, bien évidemment, le couple. Mais la relation, l'attirance, la connexion, la proposition. Mais c'est quelque chose de nouveau pour moi. Avec le valet de pentacle, ouais, c'est faire le premier pas dans une nouvelle aventure. Non, tout à fait, ouais. Oui, alors peut-être que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous n'êtes pas prêt pour le départ, je ne sais pas. C'est possible. Ouais, avec le 2 de pentacle, alors oui, on peut être hésitant. On peut avoir des choix à faire et on peut être hésitant avec le 2 de pentacle. Oui, il y a des décisions. Peut-être que ces décisions vous stressent. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas dans une relation, dans un partenariat, dans un couple, dans une... On va regarder ça. On va regarder ça pour vous, les béliers. J'ai dit bélier, hein, je ne me suis pas trompée, hein, non. Des fois, je me trompe, hein, mais c'est bien bélier. Hein, hein. Bélier, semaine du 29 mai au 4 juin. Allez. Bélier du 29 mai au 4 juin. Tiens donc. On a le 2 de coupe, mais il est inversé cette fois-ci. Ouais, il y a peut-être des hauts et des bas hein, dans une relation. Alors, peu importe la relation. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Bélier. Alors, ça peut être... Oh, ouais, je vais m'avancer, hein, de toute façon, en disant ça. Mais ça peut être... tiens, ça peut être... Alors, est-ce que dans une relation, il y a un problème et qu'il y a une nouvelle relation? Est-ce que dans un partenariat, il y a un problème et il y a un nouveau partenariat? Vous voyez, c'est aussi possible. Qu'est-ce que j'ai sorti de 8 de coupe cette semaine? Oh là là, fou! Ouais, 8 de coupe. Bélier, 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 du 29 mai au 4 juin. Bélier du 29 mai au 4 juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. Le diable. Encore une carte pour vous, les béliers. Dernière pour les béliers du 29 mai au 4 juin. J'en ai combien? J'essaye de les récupérer. Le 2 d'épée et le soleil. Pouf. En deux de paquets, j'ai le 5 de coupe. 5 de coupe, 8 de coupe. Ok. Alors, le 5 de coupe. Qu'est-ce que j'ai sous le 5 de coupe? Ouais. Le valet de coupe. Ok. Le valet de coupe, une nouvelle situation. Le valet de coupe, une nouvelle situation. Ça peut être aussi une bonne nouvelle. Le valet de coupe, ça peut être l'amour. Un nouvel amour, bien évidemment. L'intuition. Quelqu'un de sensible, de calme, de rêveur et de réfléchi, le valet de coupe. Homme ou femme, bien évidemment. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Peut-être que oui, bah, vous faites le deuil de quelque chose, d'une relation, d'un partenariat, pour aller vers une nouvelle relation ou un nouveau partenariat. C'est ce que je disais. Je disais, je vais m'avancer un peu. Mais c'est un peu ça. Ok. Ouais, avec le 5 de coupe, on fait le deuil d'un projet, le deuil d'une relation, le deuil de quelque chose. Pour passer... à autre chose. Ouais. Alors oui, il y a un changement. Alors peut-être que ce changement parfois il peut être indésirable, mais il ne faut pas se concentrer sur les émotions négatives non plus. Hein. Non. Non. Oh, il y a un deuil à faire. On doit faire le deuil de quelque chose. Alors deux de coupe inversée et le fou. Deux de coupe inversée. Alors oui, la discorde, la séparation, l'incompatibilité, ça peut être un couple qui est malheureux aussi. Alors, je vais dire une relation malheureuse, parce qu'on n'est pas dans une guidance sentimentale. Mais oui, ouais. Ouais, vous devez faire des choix par rapport à cette relation. Ouais, ouais.
à ce partenariat, à cette union, à cette passion. Il peut y avoir, oui, une rupture, une indifférence qui s'installe entre deux personnes, ce qui vous a rapproché. Peut-être, oui, il y a peut-être des choses qui vous ont rapproché avec quelqu'un il y a quelque temps, et là, ce n'est plus le cas. Oui, ça peut être. On peut avoir alors, je le dis souvent, mais que de coupe inversée, on peut avoir le sentiment d'être en présence d'une personne négative. Ça peut être l'expression d'un rejet, une indifférence envers l'autre. Peut avoir une relation toxique, une dépendance à quelqu'un. C'est possible. Ouais. C'est comme si peut-être on n'a plus les mêmes valeurs, on n'a plus le même but, on n'a plus les mêmes sentiments aussi, bien évidemment. On la recouvrira. J'ai la carte du fou. Le fou, c'est le nouveau départ. Et ouais, le fou, c'est le nouveau départ, c'est cette nouvelle aventure. C'est aussi se lâcher prise, se libérer de certaines contraintes aussi, la carte du fou. Hein. On vit ce que la vie nous présente. Ouais. L'envie d'autre chose, peut-être aussi. Peut-être que certains béliers ont envie d'autre chose. Ouais, c'est vraiment se sauter dans le vide. Et là, je pense que pour vous, c'est assez clair. Oui. Ah bah oui. On veut. On veut. Comment je vais le dire? Prendre un nouveau départ. On veut le faire, ce saut dans le vide. Moi, je pense que oui, dans votre tête, on voulait vous lancer. Vous voulez peut-être arrêter de vous poser des questions et vous voulez agir. Ouais, enfin la situation, pour moi, la situation, c'est ça, c'est de prendre un nouveau départ parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. Donc, est-ce que vous pouvez reprendre ce nouveau départ avec cette même personne? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt quelque chose de nouveau. Parce que j'ai le valet de coupe et parce que j'ai le fou. 8 de coupe, c'est ce que vous voulez. Bah ouais, vous voulez vous réorienter, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez. Je pense que vous avez peut-être atteint vos limites. Peut-être qu'on a atteint, oui, peut-être qu'on a atteint ses limites. Peut-être qu'on est déçu. Peut-être que, voilà. Et avec le 8 de coupe, ben on tourne le dos. On le voit pas sur cette carte, mais généralement il y a quelqu'un qui part, qui tourne le dos parce que c'est quelqu'un qui se retire, qui prend du recul, qui se réoriente, qui se met en retrait. Oui, on se retire. On part à la quête d'autre chose. On laisse derrière soi quelque chose. Parce que y a quelque chose qui vous empêche d'être pleinement heureux ou heureuse. Donc on abandonne tout pour partir faire sa quête. Oui, on a envie de fuir pour moi avec le 8 de coupe. Ouais. On prend contact avec ses émotions, on prend contact avec ses désirs les plus profonds et on se retire physiquement. On part en solitaire. Besoin de reprendre son souffle, besoin de refaire le plein d'énergie. Quelque chose ne va pas. Donc, pour moi, il s'agit de faire des choix. Les béliers, pardon, de faire des choix. Y a quelque chose qui ne répond plus à vos attentes. Je vous l'ai dit, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne se comprend plus, peut-être qu'on se prend la tête, je ne sais pas. Mais ouais, il y a quelque chose qui a changé au fil du temps et on a besoin de réexaminer sa vie. 5 d'épée. 5 d'épée. Inversé. Votre défi, c'est de passer à autre chose. C'est de trouver un compromis. C'est de mettre fin à un conflit. C'est de résoudre ce problème. Votre défi, c'est de communiquer, peut-être aussi. Peut-être qu'on doit dire des choses. Peut-être que vous avez des choses à dire. C'est compliqué de les dire. Mais c'est votre défi, le 5 d'épée ici. Et comme il est inversé, ouais. Comme il a inversé, ouais. Alors, il est. Je vais le répéter, on peut se réconcilier. C'est peut-être votre défi de se réconcilier pour ceux qui le souhaitent. Si vous ne le souhaitez pas, ben vous ne le souhaitez pas, hein, bien évidemment. Mais ouais. Peut-être, alors, avoir la capacité de se réconcilier, avoir peut-être. Quelqu'un peut-être doit admettre ses torts. Mais c'est aussi le fait, aussi, le 5 d'épée inversé, si le fait de vous réconcilier et d'admettre vos torts, ça ne vous parle pas du tout. Le 5 d'épée inversée peut dire aussi qu'il faut être capable de maîtriser ses pensées et ses paroles dans une situation qui est conflictuelle avec quelqu'un, bien évidemment. Oui, le diable. Le diable, c'est ce qui vous aide. Le diable, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Ben oui, ce qui vous aide, c'est de vous libérer. De sortir d'une dépendance, peu importe, dépendance affective, dépendance, que ce que vous voulez, mais c'est de vous libérer.
Pour moi, c'est ce qui vous aide, bien évidemment, ouais. Ouais, peut-être du... Ouais, moi. Oui, bah oui, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Pour moi, c'est ça. Ouais. Avec le diable, on se sent enchaîné. On peut être négatif aussi. Pour moi, c'est... Le diable, c'est faire le choix de s'en sortir. Parce que c'est avec le diable, on crée nos propres chaînes, on s'impose des chaînes, on s'impose des dépendances, on s'impose des choses et on crée nos propres chaînes. Ouais. Ça peut être aussi le fait de se maîtriser, hein, c'est aussi possible. Mais ouais. Y a. On peut retirer ses chaînes facilement avec la carte du diable. C'est pareil, on ne le voit pas sur cette carte, mais ouais, on peut retirer ses chaînes. Il peut y avoir des comportements nocifs, de fausses croyances, des relations toxiques, des dépendances de toutes sortes. Ça encombre votre vie. Je pense qu'il y a des béliers qui doivent avoir le courage. Ce qui vous aide, c'est d'avoir le courage de faire face à ce qui vous rend dépendant, de faire face à ce qui vous empêche de grandir, de prendre conscience qu'il y a des chaînes qui vous attachent à des situations qui ne vous conviennent pas et qui ne vous conviennent plus. Il peut y avoir quelque chose avec quelqu'un de chaotique, voire de toxique. Je sais, je le répète, mais tant pis. On peut avoir le sentiment qu'on attire toujours le même type de personne aussi, parfois. Mais ouais, c'est ça. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous libérer, de vous départir de ces chaînes qui vous rendent malheureux pour aller vers un avenir meilleur. De DP et le soleil. Alors, le soleil, ça peut être le fait, bien évidemment, d'y voir clairement. Mais pour moi, c'est le fait d'aller de l'avant. Et pour moi, vous pouvez aller de l'avant en faisant des choix avec le 2 DP. 2 DP, on fait des choix. Difficiles, décisions difficiles, choix douloureux, décisions stressantes. On doit affronter ses peurs, arrêter d'hésiter et affronter quelque chose et trancher. Oui. Ouais. On ne reste pas dans l'aveuglement, dans l'indécision et dans la confusion. Non, vous devez trancher, vous allez trancher. Il y a des difficultés à affronter. Il va falloir les affronter. Alors, bien évidemment, si vous ne les affrontez pas, vous n'allez pas de l'avant. Vous êtes face à un choix difficile. Faites-vous confiance. Vous pouvez résoudre ce problème. Vous avez les qualités pour résoudre ce problème. Peut-être que il est peut-être important pour certains béliers de se retirer seul pour se donner les moyens de réfléchir sans influence extérieure. C'est aussi possible. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Mais de toute façon, le 2 d'épée, c'est un dilemme et un choix difficile à faire. La solution, elle se cache dans votre inconscient. Voilà. Il faut trancher une question une bonne fois pour toutes, les béliers. Allez, je vais recourir des cartes. J'étais un peu longue, non? Moi, je trouve que j'étais un peu longue. Bon, c'est pas grave. Allez. Je recouvre le 2 de pentacle et le 2 de coupe. Oh là là. Quatre de pentacle. À 4 de pentacle, on s'accroche. Hein, on s'accroche. Ah, on peut s'accrocher à une sécurité financière ou pas, mais on s'accroche à quelqu'un, on s'accroche à des problèmes, on s'accroche à des possessions. Oui, ah oui, mais complètement. Ouais. Alors qu'on vous demande de vous en libérer. Ah ben oui, on vous demande de vous en libérer, mais on s'accroche, ouais. On s'accroche généralement avec le 4 de pentacle à quelque chose qui n'est pas bénéfique, mais on s'y accroche quand même, parce que même si on n'est pas heureux, ben, ce qu'on connaît, ça peut être rassurant. Même si on n'est pas heureux. Pour moi, pour moi, il y a des soucis, il y a des hésitations. Ah mais oui, vous êtes dépendant de quelque chose, de quelqu'un. Ouais. C'est peut-être dépendant au confort, hein, mais peu importe. Adapté à votre situation. Vous devez sortir de votre zone de confort. Peut-être arrêter d'être trop prudent pour faire des choix. C'est possible. Je recouvre le 2 de coupe. Roi de bâton, il avance, il fait ce qu'il y a à faire, le roi de bâton. Hein. Il arrête de perdre son temps parce qu'il ne l'amène nulle part. Le roi de bâton, il est aux commandes, quoi. C'est un esprit de décision. Ça peut être le fait de reprendre une indépendance parce qu'il est indépendant. Aussi, le roi de bâton, l'impératrice. L'impératrice, le fait de s'affirmer, d'avoir confiance en vous, bien évidemment. Ouais. Après, l'impératrice, ça peut être aussi le fait de se connecter aux autres. Vous voyez?
Créer un espace de dialogue avec quelqu'un. Retrouver de l'harmonie, peut-être, hein. Alors, pas forcément avec la personne avec qui ça va pas, mais peut-être retrouver de l'harmonie dans votre vie en faisant des choix. J'ai envie d'en remettre une. Après, bien évidemment, ça peut être quelque chose de nouveau. Waouh, super. Alors, c'est intéressant. Alors, j'ai le 9 de coupe. C'est très. Là, il y a. Ok. Alors, j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Je cherchais le mot. C'est la joie, c'est la quiétude, c'est le contentement, c'est le bonheur. C'est le succès, c'est le triomphe. Alors, si vous êtes dans une relation là où ça va pas du tout, hein, elle peut s'arranger largement, cette relation, quoi qu'il en soit. Après, autre possibilité, avec l'impératrice, il y a quelque chose de nouveau en gestation. Et ce qui est nouveau là, en gestation, cette nouveauté, nouvelle personne, nouvelle envie, nouvelle passion, nouveau travail, nouveau peu importe, ou nouveau départ, ou reprendre une liberté, hein, aussi, bien évidemment. Avec le 9 de coupe, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. C'est ce qui vous rend heureux. Peut-être ce qui vous rend heureux, c'est quelque chose de nouveau. Voyez, avec l'impératrice. Un nouveau projet, peu importe. Mais on doit résoudre avant autre chose pour moi. Eh oui, on doit résoudre avant autre chose pour moi. Avec la carte du chariot inversée. La carte du chariot inversée, ouais. Vous êtes entravé par quelque chose, par des obstacles. C'est une forme d'impuissance. C'est comme si vous. J'ai l'impression quelque chose de nouveau, peut-être, et vous n'y allez pas. Voyez? Vous n'y allez pas. Vous sortez pas de votre zone de confort. Je vais continuer. Je recouvre le fou. La reine d'épée. La reine d'épée, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée, elle tranche. C'est la pensée qui domine les sentiments avec la reine d'épée. C'est le moment d'être clair sur vos désirs, les béliers. La reine d'épée, elle a subi des épreuves, elle a subi quelque chose. Voilà, elle a déjà douillé un peu la reine d'épée. Donc, elle se coupe de certaines choses, voyez? Ça peut être quelqu'un qui est un peu froid, oui, mais c'est quelqu'un qui est plein de bon sens. C'est quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions. Et pour moi, les béliers, la bonne décision que vous allez prendre, ou que vous devez prendre, ou que vous pouvez prendre, c'est le fait de vous lancer dans l'inconnu. C'est le fait de vous libérer de certaines contraintes. C'est le fait de prendre un nouveau départ. Je recouvre le 8 de coupe. Pour les béliers, le 8 de coupe. Bon, revoilà le 2 d'épée. Hein. Revoilà le 2 d'épée. Le fait de faire des choix, le fait de faire un choix compliqué, le fait de faire un choix difficile, mais vous voulez le faire ce choix. Puisque de toute façon, le 2 d'épée, c'est ce que vous voulez. Donc le 8 de coupe, on veut se réorienter. On va aller chercher son bonheur ailleurs. Et on veut faire le choix de le faire. Mais pour l'instant, on s'accroche à une sécurité. Peu importe la sécurité. Parce que le 2 d'épée, c'est ce que vous voulez. Vous voulez sortir de votre indécision, vous voulez faire des choix, même s'ils sont compliqués, même s'ils sont difficiles. Vous voulez crever un abcès. Ouais, je sais, c'est moche, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Vous voulez les faire, ces choix. Difficiles, compliqués. Vous voulez sortir de ce dilemme. Vous voulez affronter vos peurs. Bah, c'est déjà pas mal quand on le veut. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Quand on veut, on peut. Ouais, la phrase bien bateau, je sais. Hein? Je recouvre le 5 d'épée. Alors, bah tiens donc, allez. Ah ouais, non mais là, on a... Oh, purée. Alors, vous deux... Ouais, ok, bon, je sais, je vais prendre un peu de temps, mais tant pis. Là, on a le diable. C'est ce qui vous aide. Hein, on l'a droite. Là, on l'a inversé. Donc, les béliers, pour ceux qui le souhaitent, vous devez vous libérer d'une dépendance. Vous devez rompre des liens. Vous devez ne pas résister à ce changement, vous ne devez pas être paralysé par la peur, vous ne devez pas être dans l'incapacité à aller de l'avant. Parce qu'avec le 6 d'épée, on prend le large, on s'échappe, on s'enfuit, on progresse, on avance, on surmonte des difficultés, on va vers un avenir meilleur. Eh ben, dis donc. Et avec le 8 d'épée, vous êtes paralysé par la peur, par l'anxiété, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez piégé, bridé. Vous devez vous libérer.
On reprend le contrôle. On reprend les rênes. Roi de coupe. Le roi de coupe, eh ben, il est émotionnel. Il est émotionnel. Il est émotionnellement stable. Oh là là. C'est ça le roi de coupe, ouais. C'est l'intelligence émotionnelle. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous donne des bons conseils, le roi de coupe. Mais moi, je pense que c'est votre défi, ici, le roi de coupe. Donc, moi, je pense que ce roi de coupe, c'est vous. Et vous devez retrouver peut-être une stabilité émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose qui n'est plus émotionnellement acceptable pour vous. Mais moi, je pense que vous devez avoir confiance. Confiance en vous. Et ouais, moi, je pense que vous devez. Et puis, vous devez vous occuper de vous-même aussi. J'ai envie de le dire parce que. C'est ça. Ouais. Le roi de coupe, il sait gérer des crises. Il a de la diplomatie. C'est quelqu'un, encore une fois, de mature, qui gère des situations de crise. Ouais. Vous devez, votre défi, je pense, les béliers, c'est de maintenir vos propres émotions en équilibre en toutes circonstances. D'être posé. De toute façon, vous devez prendre des décisions. Quand on se débat dans l'angoisse, ça marche pas. Non, ça marche pas. Je recouvre le diable. Ouais, non, mais là, franchement, le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. C'est une carte de manque, le 5 de Pentacle. Alors, ce qui vous aide, c'est pas d'être dans le manque. Ce qui vous aide, c'est pas le fait de vous, de vous isoler, de vous sentir rejeté. Non, non, ce qui vous aide, c'est d'avancer avec le 5 de Pentacle. On avance malgré tout. On avance malgré tout. On doit sortir de quelque chose pour moi ici. Oui. Alors oui, le 5 de Pentacle, c'est une perte. Perte d'emploi, perte d'argent, perdre ses repères, perdre quelqu'un. De toute façon, ça favorise le manque. Ouais, c'est ça. L'espoir, il vous fait signe avec le 5 de Pentacle, les béliers. Oui, il ne faut pas avoir une posture fermée. Non, non, non. C'est comme si quelque chose vous empêchait d'apercevoir la lumière. Ouais, je sais, c'est un petit peu, mais c'est un peu ça. Quelque chose vous empêche de voir la lumière. Peut-être parce que vous êtes trop dans le négatif. Aussi. Avec la carte du diable, c'est possible que vous soyez trop dans le négatif. Mais si on a besoin d'aide, l'aide est à portée de main avec le 5 de Pentacle. Oui. Et oui. Vous devez avancer. Vous devez avancer. On ne se laisse pas aveugler par des pensées négatives. Enfin, il ne faut pas être dans quelque chose de négatif, de trop négatif. Non, 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 non. Pour moi, il y a une occasion de sortir de tout ça avec le 5 de Pentacle. Oui. On arrête de se focaliser peut-être sur quelque chose qu'on a perdu ou sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, 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 non. Il y a une solution à un problème. Oui. J'en remets une. J'en remets une. Allez. Ah ouais, mais ouais. La carte du jugement. Ok, j'ai la reine de bâton inversée. Pour moi, la reine de bâton, c'est la confiance en soi. La reine de bâton, c'est la confiance en soi. Si la carte est inversée, oh là là, il y a peut-être un manque de confiance en vous, les béliers. Alors, je suis assez étonnée pour les béliers, mais bon, après, voilà. Mais ouais, je pense qu'il y a de la confusion. Et je me demande même s'il n'y a pas quelqu'un qui ment dans cette guidance. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Ouais, peut-être quelqu'un qui a une emprise sur vous et qui vous ment. Vous devez vous libérer de ce qui vous retient. Vous devez abandonner le passé. Vous devez vous libérer de la souffrance. Vous devez aller vers ce renouveau, ce nouveau départ, vers cette évolution, vers cette libération. Après, vers cette réconciliation pour ceux qui le souhaitent. Mais moi, dans cette guidance, j'ai pas trop l'impression qu'il y ait une réconciliation. Mais bon, après, voilà. Je recouvre le 2 d'épée et le soleil. Allez. Ouais, de toute façon. Oh là là, dis donc. Ah, mais c'est intéressant parce que. Alors, je vais pousser ça parce qu'autrement, on va rien voir. Oh là là, quelle porte. J'ai de nouveau la mort inversée. Donc, 6 d'épée, j'ai de nouveau la mort inversée. Et derrière la mort, j'ai le 5 de coupe. Eh ben, dis donc. C'est la carte du deuil.
Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. On fait le deuil d'un projet, on fait le deuil d'une relation, on fait le deuil on fait le deuil. C'est ça, le 5 de coupe. Oui, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, il y a des remords, il y a des regrets. Moi, je pense que vous vous concentrez sur des émotions négatives. Les béliers, c'est dommage. Et avec la carte de la mort inversée, ben allez, on n'arrive pas à aller de l'avant, on est paralysé. Paralysé peut-être par la peur. C'est la puissance de la transformation, la carte de la mort. C'est ça. Et là, ben, ouais, c'est comme si vous aviez peur d'aller de l'avant, d'être paralysé par la peur, ou vous refusez un changement. C'est une incapacité, une peur, ou le refus de faire ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Ou pour changer quelque chose qui doit être changé. Moi, la carte de la mort, c'est une fin qui est inévitable, suivie d'un commencement plus radieux. C'est un processus de transformation, mais là, on est dans le côté obscur, avec un peu la carte de la mort inversée. Oui, on refuse tout changement, peut-être. On refuse même parfois de devenir ce que nous sommes vraiment. Ouais, mais c'est moche. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. 6 d'épée, bah 6 d'épée, allez, hein, c'est reparti. Hein. On prend le large, on se barre, on fuit, on va vers une situation plus calme, plus heureuse, plus épanouissante pour vous. Vous avez besoin de vous échapper, vous avez besoin de progresser, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'un soulagement, vous avez besoin de surmonter des difficultés, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de changement. Je reprends mon souffle. C'est ça. C'est ce dont vous avez besoin. Aller vers des eaux plus calmes, aller vers un futur plus heureux. Il y a quelque chose de difficile qui nécessite un changement nécessaire et salutaire avec le 6 d'épée. Il faut faire ce choix. Il n'est pas facile ce choix, oui, bien évidemment. Mais si vous restez dans les blocages là, si vous restez. Bon. Ouais. Moi, vous devez aller vers l'avant. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche d'évoluer. Peu importe. Dieu, bah tiens donc, il n'y a pas de meilleure compagnie. C'est intéressant parce que guerre et paix. Allez, eh ben, je vous lis les deux. Voilà, la vidéo va être super longue, j'en suis désolée. Adaptez en genre les béliers. Allez. Vous vous demandez peut-être, Dieu existe-t-il vraiment? Et si oui, où est-il quand vous avez le plus besoin de lui? Souvent, c'est dans les moments où nous en avons le plus besoin que nous nous sentons le plus seuls. Cette carte est la preuve que vous n'êtes jamais seul. L'univers a entendu votre appel et veut que vous sachiez que la présence aimante du divin créateur vous emplit et vous entoure toujours. Libérez-vous de vos peurs et de vos angoisses. Accueillez la lumière de guérison qui vous est offerte en ce moment. La peur nous incite souvent à nager à contre-courant. C'est une perte de temps et d'énergie. Nourrissez la confiance, l'acceptation et le lâcher prise. Bien qu'il y ait forcément de nombreux rebondissements en cours de route, vous serez agréablement surpris de voir où le fleuve de la vie finit par vous mener. Oh, c'est drôle, hein? Mais c'est ça. Vous devez faire ce changement. Il y a un changement qui est nécessaire. Peu importe le domaine, peu importe, adaptez à votre situation. Il y a un changement qui est nécessaire, les béliers, dans un domaine de votre vie. Guerre et paix. Vous vivez actuellement un dilemme entre votre esprit logique et ce à quoi aspire votre cœur. Celui-ci vous tire dans une direction alors que votre mental vous tire dans l'autre. Cela provoque une guerre intérieure responsable du stress que vous ressentez en ce moment. La meilleure solution pour résoudre le dilemme qui vous tiraille consiste à embrasser à la fois les aspirations de votre cœur et celles de votre esprit. Écoutez votre cœur tout en faisant appel à votre logique et à votre bon sens. La paix intérieure n'est possible qu'en suivant les deux aspects de votre nature. Acceptez vos peurs, mais ne les laissez pas se mettre en travers de votre chemin. C'est seulement en agissant en accord avec votre cœur que vous vous approcherez de la réalisation de vos rêves. Cependant, usez également de raison dans vos prises de décision, car une aspiration sincère et une bonne logique sont toutes deux nécessaires pour parvenir à la réussite et à l'équilibre. Vous pouvez parvenir à la réussite avec le 9 de coupe pour vous les béliers en cette semaine. Un changement est nécessaire, un changement est salutaire. Ne résistez pas à ce changement, les béliers. Vous devez aller vers l'avant. Oui. Oui. Il y a peut-être une forme de tri à faire dans vos pensées, dans vos croyances, peu importe. Pour moi, vous cherchez à vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Donc, il faut faire des choix en conséquence. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.